Moi, j'aimerais insister sur la responsabilité des fabricants de tabac. Parce que ce que les gens fument aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que fumaient les Indiens d'Amérique dans les cérémonies religieuses il y a un siècle. Aujourd'hui, les cigarettes... Je n'avais jamais vu ça comme ça, mais... Les cigarettes sont conçues, Jean-Nico non plus, d'ailleurs. Les cigarettes sont construites et conçues par une série d'adjuvants de telle sorte que vous ayez le maximum de nicotine le plus vite possible et que vous deveniez dépendant du tabac le plus vite possible. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un hobby dont on est malheureusement... Ce n'est pas le calumet de la paix, c'est le calumet de l'intox. Oui, j'ai bien compris. Et c'est un calumet dont les propriétés techniques ont été adaptées de façon à rendre les gens dépendants et donc de façon à tuer. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. C'est que les cigarettes sont, on dit en anglais, « deadly by design ». Elles sont conçues pour tuer. Le fait qu'elles tuent, ce n'est pas un résultat aléatoire. C'est une construction industrielle qui conduit les gens à être dépendants et à en mourir.